The best to do it, I can prove it. What more can I say? Got finesse like a fadeaway, game for days. If you put me to the test, I'ma make them pay. You gon' feel this in your chest like an 808. Bonjour à tous et bienvenue ici en direct du Parc des Princes et du vestiaire des Rouges et Bleus. Évidemment pour une journée très très spéciale, l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé et suivi aujourd'hui d'une conférence de presse avec David Butler. Nous allons introduire ensemble aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour. Welcome to the dressing room of Paris Saint-Germain. We're here at the Parc des Princes for a very special reason. Kylian Mbappé and Paris Saint-Germain have announced that he's extended his contract until 2025. 2025, vous pouvez peut-être le voir derrière David ou derrière moi, les maillots floqués, en effet, affichés par Nasser El Khelaifi, notamment au stade lors du match face à Metz, on va en reparler. On va tout vous dire, on va parler de stats, on va parler de sa forme, de son histoire à Paris, de celle qui va continuer à s'écrire. On a plein de choses à dire, David. That's right, just a little bit later on, Kylian Mbappé and Nasser El Khelaifi will be having their press conference. But just before, we're going to give you all the stats, everything you guys need to know about Kylian Mbappé's great season and Paris Saint-Germain's great season. Alors, comment vous l'avez appris que Kylian prolongeait? D'abord, il y a eu les rumeurs qui tombaient sur la capitale. Et puis, il y a eu cette révélation sur le toit du stade le plus beau du monde, hein, pour moi, David. C'est comme ça qu'on a appris que Kylian Mbappé prolongeait. Je propose qu'on regarde la vidéo. Yeah, let's watch from the top of the Parc des Princes, Kylian announcement. Notre histoire s'écrit ici. Ici, c'est Paris. Notre histoire s'écrit ici, David. L'histoire continue donc jusqu'en 2025 pour Kylian Mbappé. On va pas se mentir, on est pas mal ému, pas mal content ici dans la capitale, surtout quand on regarde les statistiques du jeune de Bondy. Il y a de quoi avoir le tournis. Yeah, what a great moment it was for the club, Kylian Mbappé. All the fans and everyone included. But first, let's take a little look at Kylian Mbappé's stats from this season. Of course, it was a brilliant season for Mbappé. 60 goal contributions in just 46 matches. Exactement, dans les stats que vous voyez, 39 buts et donc 21 passes décisives. Vous le comprenez, Kylian Mbappé a donc été impliqué dans pas moins de 60 buts cette saison en seulement 46 matchs. C'est simple, il est décisif à peu près toutes les 65 minutes, David. That's c'est right. Absolument hallucinant. Tout simplement, il n'a jamais fait mieux en carrière et pour le Paris Saint-Germain, c'est le premier contributeur de but cette saison. Yeah, that's right. 60 goal contribution is his highest return after one season. He was decisive every 65 minutes. As you can see there on the screen, 39 goals and 21 assists in that time. Et quand on zoome sur la Ligue 1, eh bien c'est encore plus impressionnant pour Kylian Mbappé. Il a disputé 35 matchs comme vous le voyez et c'est simple, c'est le joueur le plus décisif sur le continent européen. Personne ne fait mieux but et passe décisif cumulé, impliqué donc dans 45 buts, rien qu'en championnat, David, hallucinant. Yeah, it was crazy. Let's take a little bit of a look at his effort in Ligue 1 specifically. As you can see there, 28 goals, he topped Ligue 1 scoring charts, 17 assists, he topped the assist charts. This is the first time in history that any player has been able to do that. And even more special for Mbappé, he added assists to his repertoire this season. Exactement, Kylian Mbappé, 17 passes décisives, il n'avait jamais fait de telles statistiques en carrière. Et puis dans les buts que vous voyez en Ligue 1, sachez qu'il y a un spécial contributeur également, c'est un certain Léo Messi, qui a donné pas moins de 7 passes décisives à Kylian Mbappé, d'ailleurs encore une face à Metz, donc pas mal l'entente entre l'Argentin et le champion du monde français, David. Yeah, Mbappé loved to give assists to Messi specifically, ouais. And Neymar as well. If we could, let's remind ourselves of his goals and assists from the season with this clip. Exactement, on va découvrir ensemble un petit best-of buteur-passeur, c'est parti. Hail to your new king.
David, après 2019, 2020, 2021, 2022, Kylian Mbappé est à nouveau meilleur buteur du championnat, donc pour la quatrième saison consécutive. C'est simple, déjà il a dépassé Zlatan Ibrahimovic, il a fait mieux que le géant suédois, et ensuite ça n'était plus arrivé depuis 30 ans, et un certain Papin, qui aux côtés de Bianchi, étaient les deux seuls joueurs de l'histoire du championnat français à avoir réussi à finir de manière quatre fois consécutive meilleur buteur, c'est dire Kylian rentre dans l'histoire, encore une fois. Yeah, as Amber mentioned just there, Kylian Mbappé, top goal scorer for the fourth time in a row. This is a stat that hasn't been completed in 30 some odd years. And this season, he of course passed Ibrahimovic to become the second top goal scorer at the club. I finished just three goals ahead of Ben Yedder. Just before the last game, he was only one goal ahead of Ben Yedder, and he finished seven goals ahead of Martin Terrier and Moussa Dembélé. Exactement, on va regarder un petit peu le classement, comment ça s'est joué. Alors tout s'est joué à la dernière journée, mais pas vraiment hein, si on regarde, parce que vous voyez le classement des buteurs, Kylian Mbappé avec 28 réalisations et 3 buts devant Wissam Ben Yedder, mais sachez qu'avant la 38e et dernière journée de Ligue 1, il n'y avait qu'un petit but qui séparait les deux. Kylian a compris, il fallait marquer pour prendre le large, il faut juste lui demander et c'est triplé. Du côté droit de votre écran, vous le voyez, les meilleurs passeurs décisifs du championnat, Kylian Mbappé qui a donc 3 caviar de plus que son coéquipier Léo Messi devant Bourigeaud, Jonathan Clauss, évidemment Dimitri Payet, et donc il y en a d'autres qui en ont 9, mais ça c'est le top 5. Et Kylian Mbappé, c'est tout simplement, David, la première fois de l'histoire du football français qu'un joueur arrive à la fois à être sacré meilleur buteur et meilleur passeur. Yeah, it's a great stat, isn't it? He's a top goal scorer, top assist provider in Ligue 1 for the first time in history a player has completed this. As you can see there, he was battling Léo Messi, his teammate, for the top assist in Ligue 1. And of course, he was chasing the record of Di Maria with 18 assists in a single season. He finished with 17, but still, it was enough to finish top goals and top assists. Alors, tandis que vous voyez donc Kylian avec ses 17 passes décisives, moi, je peux vous donner une petite stat. En 2019-2020, il était 8e avec 5 passes décisives. L'année suivante, donc la saison dernière, il était 13e du classement Ligue 1 avec 7 passes décisives. Et il passe de 7 à 17, David, c'est la progression made in Kylian Mbappé. Yeah, his progression has been great. Previously, the most assists that Mbappé gave in a season was 8 assists with Monaco, but here at Paris Saint-Germain, he's given now 17 assists again this season. Incredible stat in Ligue 1. Bon, bref, des stats hallucinantes en championnat. Forcément, ça n'a pas échappé à l'œil de ses pairs sur le rectangle vert, et ça tombe bien parce que ces derniers, David, devaient voter, comme chaque année, c'est la tradition. Les trophées UNFP récompensent les meilleures joueuses, les meilleurs joueurs du championnat. Qui de mieux que Kylian Mbappé, encore une fois, pour être élu meilleur joueur? Eh bah voilà, Kylian Mbappé. Donc on se replonge ensemble dans cette soirée, en images. Yeah, let's watch. Here are some of those moments that we can relive. Of course, he was joined by Marquinhos on the night, Donnarumma, Mendes at the award show before they all took off to Qatar. Ouais, on rappelle donc qu'il a encore une fois été élu donc, au trophée UNFP, donc la troisième fois consécutive. Il faut savoir que Kylian, il avait déjà 3 titres de meilleur espoir donc au trophée UNFP. Il y a même une année où il s'est payé le luxe d'être à la fois meilleur espoir et meilleur joueur du championnat. Et bien cette fois, meilleur joueur s'est acté encore une fois, David. Yeah, it was his third time winning Ligue 1 best player. And of course, he won Ligue 1 best young player of the season 3 times as well. As we mentioned a little bit earlier, it's his fourth time as the top goal scorer of France. And of course, he was included in that team of the season with Marquinhos, Donnarumma and Nuno Mendes. Exactement. On a forcément un petit clin d'œil, un petit mot pour les autres coéquipiers du Paris Saint-Germain qui ont été sacrés lors de cette très belle soirée. Didier Donnarumma, évidemment, pour le meilleur gardien du championnat. Nuno Mendes qui, lui, eh bien, est dans le 11 de départ, tout comme Marquinhos. Et puis même du côté des filles, hein, on salue Marie-Antoinette Katoto qui a été élue meilleure joueuse, notamment. Et Lorena Fazer, meilleur espoir du championnat. David, mais on ne va pas se mentir, niveau stats, personne ne peut rivaliser avec celle que nous concocte match après match, week-end après week-end, Kylian Mbappé. Et d'ailleurs, on va regarder, voilà, ses stats totales au Paris Saint-Germain. Vous le voyez sur votre écran, 217 matchs. Mais Kylian Mbappé a été décisif à 258 reprises. C'est-à-dire qu'il a été plus impliqué dans des buts et des passes décisives qu'il n'a joué de match. David, que dire? Yeah, these are Mbappé's stats over the 5 seasons that he's been at Paris Saint-Germain. In that time, 258 goal contributions in just 217 matches. So 171 goals scored, 87 assists. He's already second in the goal scoring charts here at Paris Saint-Germain. This season, he passed Ibrahimovic. He's got one more person to beat who's at the top, and that's Cavani. Évidemment, on va en reparler. Évidemment, parce qu'on va parler de toute l'histoire du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais Kylian en fait plus que jamais partie. David le disait, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Et donc, vous l'avez vu,
Côté passeur, il commence à augmenter aussi. Il a dépassé Zlatan Ibrahimovic cette saison. Il a en ligne de mire, évidemment, un certain Uruguayen, El Matador, Edinson Cavani, pour l'instant, seul et unique meilleur buteur du club. Mais il ne reste pas grand-chose. Et a priori, Kylian Mbappé a prolongé jusqu'en 2025. Yeah. Donc, il aura le temps d'aller chasser encore les records. Et les chasser aussi, son palmarès. Remplir l'étagère, David, les trophées. Yeah. Il en a déjà pas mal avec le PSG. Hein. We have to look at his honors that Mbappé has already won at just 23 years old. As a teammate here at Paris Saint-Germain, he's already had loads of titles. As you were mentioning now, that he's extended to 2025, he has a bit of time to get to that top goal scorer. So let's see. His maturity continues to grow. He's a highly decorated player. If we can take a little look at his honors here, he's already won Ligue 1 four times. He's won the Coupe de France three times, Coupe de la Ligue once, and of course, the Trophy des Champions in 2019 and 2020. Exactement. Vous le voyez, l'hexagone à la dernière ligne. Kylian Mbappé, qui l'a déjà remporté quatre fois. Donc, et puis, en effet, la Coupe de France, à nouveau trois fois, d'ailleurs, dont une finale contre son ancienne équipe, l'AS Monaco, le Trophée des Champions, la Coupe de la Ligue. C'est simple, Kylian Mbappé a coché absolument toutes les cases des trophées nationaux. On le sait, la Champions League est en ligne de mire. Kylian avait disputé notamment une finale sous les ordres de Thomas Tuchel du côté du Final Eight. Il a disputé une demi-finale également. Désormais, l'objectif, et on va en parler tout à l'heure en conférence de presse, la conf sera vers 15h, David, on sait que ce sera l'un des objectifs de Kylian Mbappé, régner sur la scène européenne, mais à titre individuel, il fait le job. Yeah, he's also done a good job. Of course, football is a team sport, but he's also got the individual accolades to back him up. Now, as we mentioned before, he was the best player of Ligue 1 three times. Now he's been best young player of Ligue 1 three times. Now he is the best player of Ligue 1 three times as well. He's been the top goal scorer four seasons in a row. This is his first season with the most assists and with the Ballon d'Or. Of course, he's been in the top 10 since 2017. Oui, est-ce qu'on se rend compte quand on regarde ces trophées individuels qui vont passer sur votre écran que Kylian Mbappé est dans le top 10 du Ballon d'Or depuis 2017 non-stop? Ça, c'est pour poser les bases. Ensuite, évidemment, en championnat, personne ne fait mieux que lui. Vous le voyez peut-être, mais ses stats sont absolument hallucinantes. On en parlait juste avant au trophée UNFP. Il a déjà été plusieurs fois meilleur espoir du championnat. Désormais trois fois meilleur joueur du championnat. Et donc, eh bien, toutes ces stats, meilleur buteur de Ligue 1 à quatre reprises. Désormais, c'est la première fois pour lui, meilleur passeur également. Donc, les stats individuelles, les trophées individuels, également hallucinant. Yeah, that's right. Now, Albert, you were on stage for the announcement. Is that right? Ah ouais, ouais, c'est vrai, j'y étais, David. Was this a special moment for you? For me, I would have been a little bit nervous. Did you have nerves or was it? Oui. Je pense que ça s'est entendu dans ma voix, David. En fait, la nuit était spéciale. 38e journée de Ligue 1. Ouais. Dernière journée. Le rideau se ferme sur le championnat. C'est le temps des au revoir. Angel Di Maria, des larmes, de la joie, une rumeur qui plane, les ultras qui redonnaient de la voix. Cette soirée était magique. Il ne manquait que la cerise sur le gâteau. The cheese on the cake. Yeah, it was. The cherry on the top, the cheese on the cake. No, it was an emotional night, of course. It was Di Maria's final match here at the Parc des Princes. So it was a nice celebration for him. It was a celebration of the 10th title. Neymar reached 100 goals on the night. It was Mbappé's extension. There was so much good happening that night. It was an emotional night for the club. Il s'est passé plein de choses extraordinaires, mais c'est vrai que la rumeur qui commençait à planer un petit peu sur ce Parc des Princes qui était en ébullition, qui était plein, 45 000 personnes qui retenaient leur souffle et qui n'attendaient qu'une chose, la prolongation d'entre El Di Maria. Qui de mieux que le président lui-même, Nasser El Khelaifi, venu à mon micro, c'est vrai, l'annoncer au public parisien. On redécouvre ça ensemble, David? Yeah, let's watch that. Allez. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai très bonne nouvelle pour vous, pour annoncer. Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025.
les croix. Le premier jour, il est venu ici, Kylian. Les croix de notre projet, de vous continuer avec nous pour qu'il y ait la grande histoire du Paris Saint-Germain. Je vous remercie, la famille de Kylian. Kylian, aussi. Je vous remercie aussi. Notre supporter, vous, aussi ici en France, aussi au monde entier. Je vous remercie aussi toutes les équipes à Paris Saint-Germain, la famille de Paris Saint-Germain. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Kylian, je me tourne vers toi. Tu entends la fierté du peuple rouge et bleu. Qu'est-ce que cette prolongation, qu'est-ce que ce nouveau contrat représente pour toi quand tu entends ça? Bonsoir à tous. Je suis très content. Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil. Chers supporters, je veux tous vous entendre pour cette très très bonne nouvelle. Ici c'est Paris ! Ici c'est Paris ! Ici c'est Paris ! Merci à vous, merci Kylian. What a special moment that was. Naamba, you were there on stage. You said you were a little bit nervous. Did you get goosebumps? It was emotional, no? Oui, clairement. Clairement, les frissons, c'est vrai. La voix qui tremble. Mais c'est normal, David. C'est un moment d'histoire pour le club de la capitale, pour le Paris Saint-Germain. Le public était en ébullition. C'était volcanique, le Parc des Princes. Absolument magnifique. Kylian, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Paris, c'est magique. Kylian, c'est magique. J'avais même plus les mots, mais... très très beau moment avec les très beaux mots du président Nasser El Khelaifi et évidemment de Kylian qui a fait la bonne heure du peuple parisien parce que évidemment les frissons tout le monde les a eu je pense. Now, of course this was just before the game and the stadium did erupt, everyone went absolutely nuts and I was up in the press, I had goosebumps as well, so it was definitely an emotional moment. Just happy to be there. Ouais, c'était très très chouette d'être là. Et comme le disait David, il y avait aussi un match de foot, c'est vrai. Ouais. On a parlé d'André, on a parlé de Ney. Ney sur le terrain, il a passé son 100e but. On en a vu des belles choses. André Di Maria a marqué son tout dernier but avec le Paris Saint-Germain. C'était aussi un très beau moment d'ailleurs. Yeah. Un moment très très émouvant quand il est tombé dans les bras de Kylian et de Neymar Junior. Et puis sur le terrain, il y avait une opposition. Le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino. Le Metz, donc de Frédéric Antonetti, qui malheureusement a été relégué également. Enfin, voilà, et le Paris Saint-Germain qui continue à jouer sa première place. Yeah. Paris a fait le job, 5-0. Et Kylian, comme d'hab, hein, il l'a fait aussi. That's right, Kylian, on the night against Metz, it was a 5-0 win at home. Neymar got his 100th goal for the club. Kylian Mbappé scored a hat-trick on the night. It was Di Maria, this final match was, of course, very, very emotional. And of course, Marquinhos made his 114th match as captain of Paris Saint-Germain. Exactement, c'est vrai. Yeah. C'est vrai, Marquinhos, donc, qui lui a rejoint Pauleta au classement des joueurs qui ont été le plus de fois capitaine et ont porté le brassard. Vous voyez la conférence de presse,
juste à côté de moi, qui est en train de se préparer. La salle, elle est blindax, c'est normal. Il y a beaucoup de journalistes qui se préparent, évidemment, venus de partout, notamment d'Espagne. On va évidemment parler de Kylian Mbappé et français, parce que ça fait l'honneur. C'est l'étendard du club parisien, mais c'est aussi l'étendard de la Ligue 1, du football français. Made in France, le champion du monde. Donc, dans quelques instants, la conférence de presse, à peu près 10 minutes, va débuter pour Kylian Mbappé, accompagné par le président du club. Mais on va revenir sur le terrain, le rectangle vert. Et donc, ce match, on l'a dit, 5-0 des Parisiens et une belle contribution de Kylian Mbappé qui a été de son triplé, David. On va regarder ses stats un petit peu. Yeah, Mbappé, like we said, had that hat-trick in that match. As you could just see just before, that was the press conference room. That was everyone starting to pile into the room. Here are Mbappé's stats against Metz. As you can see, 8 shots, 4 on target there, 4 passes leading to a shot, 80 touches. And of course, he took home the match ball in the night, a hat-trick. Évidemment, on a choisi ses stats avec David. Vous voyez, 3 buts. Il a marqué donc le premier, le deuxième et le quatrième but. Entre-temps, il y en a eu un de Neymar. Les 8 tirs, si on a voulu les mettre, et dont les 4 tirs cadrés, c'est tout simplement parce que c'est le record d'un Parisien cette saison. 8 tirs durant un match Paris Saint-Germain. Également 7 dribbles pour Kylian Mbappé qui, décidément, dans cet exercice, est devenu maître de l'art. Et donc, 4 dernières passes avant un tir. Une stat hautement symbolique parce que Kylian, oui, il est muet en passeur, mais même en avant-dernier passeur. Et puis, il s'est passé des choses ici. On a la chance avec David d'être dans ce vestiaire, c'est vrai. C'est le vestiaire officiel du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, la place de Kylian, elle est juste derrière David. Et donc, eh bien, il se passe des choses magnifiques. C'est aussi une émulation, le groupe, des moments d'émotion. Et on a eu la chance d'avoir les caméras de PSG Télé qui étaient là, juste après que Kylian soit passé à mon micro. Il est venu ici et c'était aussi une belle séquence pour le collectif parisien, David. Now, of course, we're in the dressing room of Paris Saint-Germain. This is the official dressing room. Mbappé's locker is just behind me here. And after he went out and made the announcements to the stadium, to the fans, Mbappé comes back to the room and he's greeted by his teammates. It was just a nice moment. I think we can watch the video. Être dans ce vestiaire donc pour vous replonger un petit peu dans l'intimité des rouges et bleus et dans ce qui se passe finalement un petit peu, David, dans le collectif. Et vous le voyez, tout le monde était, on va pas se mentir, soulagé. C'est vrai que Kylian Mbappé prolonge l'aventure ici parce qu'il avait le choix, il ne s'en est pas caché, entre l'institution notamment du Real Madrid et donc du Paris Saint-Germain. Il a opté pour continuer l'aventure dans le club de la capitale. Tous ses coéquipiers sont heureux, y compris un certain Marco Verratti qui s'était exprimé d'ailleurs. Yeah, no, Verratti even last week said everyone's in the dark, we're all a little bit nervous. So I think it was a surprise to everyone. It's not necessarily a surprise that he was staying, but it's a good surprise. It's good news that he was staying. So I think all the players were as happy as they were relieved to hear that he has extended for another 3 years. And it must have put him in a good mood because, again, he went out against Metz and scored a hat-trick that night. Exactement. Marquinhos, lui aussi, en avait parlé. Alors, Marco Verratti avait dit « J'ai mal au ventre quand on me dit que Kylian pourrait partir ». Marquinhos, lors des trophées UNFP, avait été interrogé. Il a dit « Tout ce que j'espère, c'est qu'il sera à nouveau meilleur buteur du championnat la saison prochaine, pourquoi pas une cinquième fois ». Et dans ce cas-là, eh bien, il légaliserait un record absolu dans l'histoire du championnat. Il n'y en a qu'un qui l'a fait avant lui. Vous voyez, la salle commence à se préparer. On jette de temps en temps un œil, en tout cas une caméra, pour voir si Kylian et le président arrivent. Ça ne va pas tarder. Dans à peu près 5 minutes, la conférence va commencer. Il va avoir l'honneur de nous dire ses premiers mots à l'intention notamment des fans parisiens, en tout cas ses premiers mots médiatiques, parce que vous l'avez vu, il l'a déjà fait sur la pelouse du Paris Saint-Germain. David, dans ce vestiaire, il s'est aussi passé une scène un peu sympa. Et là, c'est, on peut remercier Charles, notre community manager qui était là pour immortaliser ces images. Charles, il est absolument partout. C'est la petite souris avec son téléphone. Et Kylian, meilleur buteur, meilleur passeur, bah, il nous régale aussi dans la com. Yeah, it's a great video. Charles, our social media manager, was here. He was in the change room. It's his baby, this video. He loves this video. He created it. But Mbappé was the subject of the video. And he has a special message for you guys in that video. Check it out. Allô. Meilleur buteur dans le sac. Meilleur passeur dans le sac aussi. Champion de France dans le sac. Le ballon
dans le sac aussi, mais il ne rentre pas. Donc à la place, on va mettre le t-shirt, 10 titres dans le sac. Aujourd'hui, je parle à personne. Okay, so let me just do a little translation there for our English watchers. Ouais. Most goals in the bag, most assists in the bag, Ligue 1 champion in the bag, match ball, of course, he scored a hat-trick that night, in the bag, champion's t-shirt in the bag. Absolument magnifique. Alors, on a encore 5 minutes avant cette conférence de presse. David, on le voit, la salle est full. Je l'ai dit, il y a du monde partout. Je me vois même en double, tiens. Et donc, eh bien, Kylian Mbappé ne va pas tarder à arriver. Donc, je propose, David, pourquoi pas se replonger pendant les quelques minutes qui nous manquent, eh bien, dans un best-of des images de Kylian Mbappé ici au Paris Saint-Germain. Je sais qu'on nous a concocté ça. Yeah. Ça peut être pas mal de regarder ça, non? Yeah, we're about 5 minutes away from the press conference with Mbappé and President Nasser Al-Khelaifi, but just before, we can watch best moments in Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti. Magnifique. Alors, vous l'avez vu, on a eu la chance de voir à la fois la célébration d'hier. Yeah. Bah oui, ça mange pas de pain. On a dit qu'on se faisait plaisir. Il y a eu le feu d'artifice. Marco Verratti, sacré 8e fois champion. Neymar Junior qui a dépassé la barre des 100. Et oui, il y en a que 5 autres qui l'ont fait avec lui, dont un certain Kylian Mbappé. Et on a vu du coup ensuite ce best-of. Voilà. Yeah, well, you got a little treat there. You got the celebrations, of course. Marquinhos 114th match as a captain. You have Marco Verratti reaching 8 Ligue 1 titles, the most in French history. You have Di Maria saying goodbye. You have Mbappe. You have Neymar getting 100 goals. So everything was there. A melting pot. And then you have a melting pot. And then after that, we gave you the best of Kylian Mbappe at Paris Saint-Germain. Dans quelques instants, la conférence de presse donc, eh bien, de Nasser Al-Khelaifi, le président du club, accompagné du numéro 7, Kylian Mbappe, va commencer. En attendant, on va juste rejeter un petit coup d'œil sur les stats global en carrière au Paris Saint-Germain qu'on a vu tout à l'heure de Kylian Mbappé. 217 matchs officiels avec le club de la capitale, vous le voyez, impliqué dans 258 buts parce qu'il a délivré pas moins de 87 passes décisives. Tout ça fait de lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. C'est vrai, David, il n'y a plus qu'Edinson Cavani devant lui désormais. That's right, we're only a few minutes away from the press conference with Mbappé and President Nasser Al-Khelaifi. But as you can see there, these are his historical stats at Paris Saint-Germain. 5 seasons at the club, 258 goal contributions in 217 games. So it's 171 goals, 87 assists. He is the second top goal scorer at the club. Bah justement, David, on avait préparé un petit visuel pour expliquer comment il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. C'est une flèche très, très ascendante. On va voir Kylian Mbappé quand il est arrivé en 2017 au Paris Saint-Germain. Yeah. Forcément, la première année, il a mis une vingtaine de buts. Et donc, 21 pour être exact, il était alors, on le voit sur votre écran, 53e meilleur buteur du club. En même temps, il n'allait pas en marquer plus de 200 la première année. Il est arrivé à 60 buts la deuxième, 99 la troisième. On le voit l'année dernière, 132 buts. Et là, bon bah, il a dépassé Zlatan. Et désormais, 181 buts.
Et more to follow, hein, parce que David, jusqu'en 2025, désormais, ça va continuer de grandir. No, this is great. This is how you can see the statistical evolution of Mbappe's goals over the five seasons, where he's gone from 53rd top goal scorer at the club to second top goal scorer. And as you can see there, I think our stats people always tell us, up and to the right is always good. So he went from 53rd to 13th in his second season, 9th in his third season, 3rd in his fourth season, and this season, he surpassed Zlatan for his second top scorer. C'est fini, David. Il est enfin là, Kylian Mbappé, avec le président. On vous laisse avec lui. À tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Paris Saint-Germain est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour la conférence de presse du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, et de Kylian Mbappé. D'ici quelques instants, vous pourrez vos questions sur la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Nous vous demanderons de lever la main, d'attendre que le micro vous parvienne, de donner le nom
du média que vous représentez et votre nom avant de poser vos questions. Mais avant ça, je laisse la parole au président du Paris Saint-Germain, M. Nasser Al-Khelaifi. Merci. Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est pour nos supporters aussi en France, au monde entier. Kylian reste à Paris Saint-Germain 3 saisons prochaines. Bon, c'est très important pour nous, pour Ligue 1, pour la France. Ce choix est un signe très fort. Nous gardons les meilleurs joueurs du monde. Kylian, c'est un rêve, c'est un objectif, toujours pour gagner et gagner comme le club a gagné. Un de nos objectifs aussi avec le président de Liga, avec tout le président, tout le club, on vient un des meilleurs championnats au monde entier. Il reste ici parce que Paris le met la meilleure condition pour réaliser nos objectifs sportifs. Comme je dis, gagner et gagner et gagner. Je vous remercie sa famille qui croit dans notre projet. C'était très important pour moi personnellement. Je vous remercie aussi toutes les équipes du Paris Saint-Germain qui travaillaient de cette prolongation. C'est une étape pour continuer notre objectif, notre projet, notre grande histoire avec Kylian. Tout le monde le sait, le premier jour on est venu ici pour gagner, pour mettre aussi le grand, créer l'histoire, la grande histoire de Paris Saint-Germain. Merci. Bravo. On va passer à la phase de questions-réponses. Allez-y. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kylian, Nicolas Georgerot, RTL, ici. Je voulais savoir ton ressenti personnel, si ces dernières semaines, derniers mois, ça a été éprouvant par moments. Il y a encore récemment, après le match face à Lorient, face à Saint-Etienne, tu es venu répondre à nos questions avec ton aisance et ta facilité habituelle. Mais je voulais savoir si ça a été éprouvant par moments. Bonjour à tous. Non, c'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'il y avait une saison. Donc il y avait des objectifs auxquels on devait répondre, auxquels on était amené à répondre aussi. On a réussi à gagner le titre. Mais bien sûr que ça pèse, parce que c'était une décision difficile. Mais j'ai toujours voulu me réfugier dans mon football, parce que c'est là où je suis bon, c'est ce que je sais faire. Et après, je savais qu'on allait être amené à parler de ça. Je voulais prendre le temps aussi de faire le meilleur choix possible, mon choix. Et j'avais pas de problème particulier avec la pression parce que je l'ai depuis que j'ai 14 ans, donc il y a pas de problème avec ça. Le micro. Bonjour, Hugo Delon du journal L'Équipe. À quel point vous avez donné les pleins pouvoirs sportifs à Kylian Mbappé? On sait que le projet sportif est important dans la discussion que vous avez eue depuis maintenant plusieurs mois. À quel point il va avoir un droit de regard sur le recrutement, sur la nomination dans l'organigramme? Merci. Regarde, je suis très, très honnête avec vous. Le premier jour, j'ai rencontré sa famille à Kylian. On parle de football sportif. Même qu'on a acheté à Kylian à Monaco. Ça veut dire qu'est-ce que j'aime chez Kylian? C'est sportif, football. Qu'est-ce qu'il aime parler, il aime faire? C'est la vérité. C'est vous dire comme voulez-vous, mais c'est la vérité, c'est sportif. Nous, quand on vient ici, qu'on a fait notre investissement de Paris Saint-Germain, parce qu'on aime Paris, on aime France, on aime le club, pour grandir, pour faire quelque chose, aussi gagner beaucoup de trophées. On a gagné pas mal, mais encore, on veut gagner plus. On veut gagner plus championnat aussi, la Ligue des Champions, bien sûr. C'est clair. Je pense qu'on est la même voie,
la même rue pour gagner le même objectif sportif, le projet sportif. Je pense que c'était le plus important pour Kylian ou sa famille. Et si je peux intervenir, même si la question n'est pas pour moi, je reste quand même un joueur de foot. Peu importe, je suis ancré dans un collectif, peu importe, même si bien sûr il y a des statuts dans une équipe. Mais je reste quand même un joueur de foot et je n'irai pas au-delà de cette fonction. Bien sûr, si on est amené à parler football, j'aime le football. Tout le monde connaît ma passion. J'aime discuter foot, parler foot. Mais j'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot. Bonjour Kylian, Loïc Tanzier, AMC Sport. Juste expliquer pourquoi le Paris Saint-Germain, il y a un an, vous vouliez partir pour rejoindre le Real Madrid. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour que finalement vous décidiez de prolonger au PSG? Oui, bien sûr, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années elles se suivent mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent, un contexte sportif, un contexte aussi un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que en tant que Français et d'où mon importance que je sais dans le pays, c'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir, je vais revenir ici après ma carrière. Donc quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur, mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi, le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc, ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée. Et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. Bonjour Kylian, Alexis Ontan de l'AFP. Quel jour avez-vous pris votre décision et est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre annonce aux coéquipiers, mais aussi au Real Madrid aussi? Merci. J'ai pris ma décision la semaine dernière. Ça s'est terminé la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncé à mes coéquipiers parce que le club ne voulait pas. Il voulait garder ça secret. Il voulait vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde, même si il n'y avait pas beaucoup de surprises. Vous étiez pas mal renseignés à ce que je voyais. Mais après, j'ai pris la décision avant de l'annoncer au Paris Saint-Germain d'appeler le président Florentino Pérez. Parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui et son club. Parce qu'ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée. Et pour ça, je les remercie. Et je pense qu'en tant qu'homme respectueux, je pense que c'est dans mon devoir de lui parler personnellement. Et voilà, comme nos liens étaient très proches. Donc je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et après, on a réussi à terminer les contours du contrat. Et ensuite, on l'a annoncé au Parc des Princes. Et les joueurs l'ont appris à la télévision dans le vestiaire. Bonjour Kylian, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Après avoir dit non au Real Madrid en 2017, tu n'as pas pu y aller en 2021. Est-ce qu'en choisissant le PSG cette année au détriment du Real Madrid, est-ce que tu penses avoir dit adieu à ton rêve d'enfant ou tu as toujours l'envie d'y aller un jour? Non, vous savez, dans le football, il y a une vérité, c'est que j'ai appris à vraiment regarder vraiment juste devant moi, pas regarder trop loin. Parce que, voilà, il y a un an en arrière, je ne pensais même pas être ici devant vous. Voilà, donc aujourd'hui, je signe ce nouveau contrat. Voilà, je pense avoir pris une décision personnelle, avoir pris le meilleur choix pour moi. Je ne regarde pas devant. Je suis vraiment concentré sur ce nouveau contrat, m'investir pleinement sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle ère. Et ce qui se passera dans le futur, je ne sais pas. Si je peux me permettre, tu ne sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je ne sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je ne sais pas. Kylian, bonjour, Nasser, bonjour, c'est ici. Thiago Leme, TV Bandeirantes du Brésil. Je vais essayer de poser en français, désolé pour mon niveau de français. Ça va, tu essayes, c'est déjà bien. J'imagine que pendant les dernières mois, peut-être les dernières semaines, les deux côtés, PSG et Real Madrid, ont essayé de vous persuader, de vous convaincre dans quelques projets. Quelle était la importance, j'imagine que vous avez aussi beaucoup de raisons pour rester ici, quelle était l'importance, le rôle de Neymar et Messi
dans ton choix. Quelle est l'importance de ta volonté de réussir avec le trio au lieu de partir après juste une saison en jouant ensemble? Oh, déjà, je pense que ce soit le Paris Saint-Germain où je suis aujourd'hui et le Real Madrid, ce sont des clubs qui n'ont pas besoin de convaincre. Ils n'ont pas besoin de convaincre des joueurs, c'est des grands clubs. Je pense que pour tout joueur, ça doit être un honneur de venir jouer pour l'un de ces deux clubs. Maintenant, pour parler de Neymar et Messi, c'est sûr que jouer avec des grands joueurs, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Voilà, on a eu une première année difficile parce qu'on a eu Messi qui venait d'arriver, Neymar qui s'est blessé malheureusement, il n'a pas pu enchaîner les performances. Mais je pense que la qualité de ces deux joueurs, elle est plus approuvée. Après, je pense qu'on a parlé un peu, mais pas beaucoup, parce que, comme il me disait toujours que c'était un choix personnel et que, quelle que soit ma décision, il la respecterait. Et pour ça, je le remercie. Merci. Bonjour Kylian. Bonjour Nasser. Jean-François Pérez, Europe 1. Il y a 3 ans, au gala de l'UNFP, si je me souviens bien, vous aviez dit « J'aimerais avoir plus de responsabilités au Paris Saint-Germain, m'inscrire dans le centre de ce projet ». Aujourd'hui, vous avez tenu à compléter la réponse à une question qu'on a Nasser à parler en disant « Je suis avant tout un joueur de football et il ne faut pas l'oublier ». Ces responsabilités en question, quelles peuvent-elles être désormais? Est-ce que vous voulez, par exemple, être le capitaine du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous l'avez demandé? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Merci beaucoup. Pour rebondir à la première partie de la question, j'ai toujours répété après coup que c'était une erreur, ce que j'avais dit, d'où l'endroit, le timing et la forme. Peut-être que le fond était bon, mais la forme, l'endroit et le timing n'étaient pas bons. Maintenant, je pense, après avoir un peu plus de maturité, que les responsabilités, ça s'acquiert sur le terrain. Et je pense que c'est ce que j'ai fait après. J'ai réussi à gagner le respect de mes coéquipiers, de mes adversaires sur le terrain. Et je pense que c'est de là que je vais garder le respect. Après, bien sûr, s'investir dans un projet, je pense que c'est... On n'a pas besoin d'avoir des responsabilités pour s'investir dans un projet. Et aujourd'hui, pour répondre au capitanat, je pense qu'il y a déjà un capitaine. Voilà, c'est un joueur important en plus de notre projet. J'ai pas envie de venir lui couper la tête comme ça. Je pense que c'est important. C'est quelqu'un qui est important dans le vestiaire, un joueur important. Et il mérite son brassard. Il a attendu. Et c'est pas une priorité pour moi. J'ai pas besoin d'être capitaine pour donner mon point de vue et montrer l'exemple sur le terrain. Kylian here, Francisco Caneba for ESPN Latin America. First of all, about the captain team, is a desire for you to be the captain of the team? And about Di Maria, what does Di Maria meant for you? Because this season, no, the last one, it was your best partner inside the field. Message for Angelito. Yeah. Sorry for you, but I just answered the question. The last question was it. But no problem. I will repeat. I say we have a captain, he's Marquinhos. He's great. He's a great player, an important player for us. And I don't want to be the captain. I don't need to be the captain to be important on the pitch and off the pitch for the team. And to talk about Di Maria, he's a great player. He's a great player, a legend of the club. We were happy to play with him. I played with him 5 years. I learned a lot from him. And the only thing I can say to him is thank you and good luck, because he's an amazing player and a good person. Bonjour, je suis Antonio Delgado de la Radio Publique Espagnole RNE. Je pense que c'est une question surtout pour le président. Comme vous savez, le patron de la Liga espagnole n'a pas très bien pris les décisions de Kylian de rester. Il dit que le PSG, c'est un club qui triche sur ses comptes et qui ne respecte pas les fair play financiers. Qu'est-ce que vous répondrez à M. Tebas? Je pense notre président de Liga, c'est Vincent Lapointe. Ce n'est pas le nom de vous dire. Si je pense peut-être les pères, les gars, les vient mieux que la Liga. Peut-être c'est une bonne chose pour nous. C'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié beaucoup. J'ai pris toujours la positive pour nous comme club, comme on joue la Liga. Comme vous savez, je pense la Liga, c'est pas comme était à 3 ans ou 4 ans. Tout le respect pour tout le club, tout le championnat extérieur, mais on a besoin de respect aussi. On respecte les gens, on me respecte. C'est très important. Moi, je ne veux pas parler de non-tout vous dire, parce que ce n'est pas mon business. Nous,
on concentrer sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde. C'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, on a célébré, on a le meilleur joueur du monde avec nous pour 3 ans. Après, des choses qui parlent, qui disent, c'est pas un problème, j'écoute pas ça, tout ça. Vraiment, on est concentré dans notre projet. Merci. Bonjour à tous les deux. Marc Méchenois, Goal.com. Tout au long de cette année de négociation, on a beaucoup parlé de demandes de garanties sportives. Vous venez d'évoquer des changements sportifs. Ma question, ça, d'ailleurs, s'adresse à vous deux. Quels sont ces changements et ces garanties sportives que vous aviez demandées et ou obtenues? Écoute, je réponds. Premier, je pense, comme l'a dit Kylian, Kylian est un joueur, un important joueur, meilleur joueur au monde. Je pense que c'est les joueurs. Nous, comme club, on décide qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est, bien sûr, le projet sportif, c'est important pour tous les joueurs. Ce n'est pas pour Kylian seulement. Moi, je ne veux pas vous concentrer sur Kylian, les choisir, les faire ça. Ce n'est pas vrai. Kylian, jamais lui demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit, comme je dis en mon discours, il veut gagner, gagner, gagner comme nous. C'est une bonne chose. Nous, on veut vraiment investir dans un joueur pour gagner avec nous. Si le joueur ne veut pas gagner, on ne veut pas ce joueur. C'est l'applaudissement. C'est magnifique. On a vraiment quelqu'un magnifique. Joueur, comme personne, comme image pour la France. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour France. Moi, je n'ai pas attendu pour que tu aies une caution de positive. On garde le meilleur joueur au monde en France. En championnat, en notre championnat. Je pense que vous, journalistes, vous êtes normalement très contents de cette nouvelle. Ce n'est pas une charge pour négatif problème. Je pense qu'on est très heureux. Moi, je sais, ce n'est pas vous, tout le monde, mais quelques journalistes, mais peut-être extérieurs plus. Au moins, le plus important pour moi, on a gardé le meilleur joueur du monde. On vous garde, on vous gagne. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il aime le foot, il aime gagner. C'est important pour notre projet aussi. Tout le monde, la semaine dernière, on a perdu Kylian. Kylian a signé l'autre club. On a dit, il n'est pas fini. On n'était pas sûr, la vérité. C'est la vérité. Mais toujours, je crois, de Kylian, de sa famille. Parce que je sais, on a construit quelque chose de très fort entre nous. C'est quelque chose dont le projet, le premier jour, j'ai rencontré sa famille ou Kylian. Je pense que c'est là quelque chose de très, très fort. Ça, peut-être, vous ne comprenez pas, mais je pense qu'avec le futur, vous comprenez plus. C'est positif pour le club, pour le championnat, pour la France. Et les Français et les Parisiens, ils aiment trop son pied, ils aiment aussi trop son club. Ils vont faire tout pour le club. Et quand ils perdent, comme nous, ils ne dorment pas, ils restent malades. Pour quelques jours, quelques semaines. Ça, on veut comme ça, notre joueur. Il veut vraiment battre fighter. Merci. On va prendre 2 dernières questions. Bonjour. Bonjour. Pablo Bolo, de Journal Marca. Wow. Pour Unas. Pour Unas. Spagnol Media. Bienvenue. Merci. Pour Nasser, c'est possible. J'imagine qu'il y aura des chiffres officiels, mais si c'est le contrat plus important du PSG, ça veut dire, j'imagine qu'au niveau d'investissement, c'est aussi important. Et pourquoi autant d'investissements en France? Et pour Kylian, vous savez, vous imaginez, les madridistas sont dessus. Si vous avez un message pour le supporter du Real, merci. Non, si j'ai un message, déjà, c'est de les remercier parce que j'ai jamais porté le maillot du Real Madrid. Si, je l'ai porté à 14 ans, une semaine. Mais ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs. Et pour ça, il faut être reconnaissant. Il faut savoir être reconnaissant. Donc, je veux juste déjà les remercier. Je comprends la déception. Mais j'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai choisi de rester dans mon pays. Parce que, voilà, aujourd'hui... Il y a une vérité, c'est que je suis français. Et comme j'ai dit,
en tant que Français, j'ai envie de continuer encore un peu, essayer de mener la France vers les sommets et d'essayer de tirer ce championnat et ce club. Regarde, jamais on a annoncé les chiffres, tout ça, jamais. Pas pour Kylian, pas pour les autres. On ne fera jamais on va faire ça. Mais je veux dire une chose, ce n'était pas l'important de l'investissement, l'argent, comme vous me dites, en Espagne. Ce n'est pas le plus important pour Kylian. Le plus important était le sportif, le projet sportif. C'est le plus important, vous gagnez, surtout. Après, l'argent, je pense, il y a l'autre club dont votre pays le peut payer plus que nous. Je veux dire, je confirme. Mais je pense que c'était un choix sportif, pas de l'argent. C'est ça, je veux dire, je répète, plus de 20 fois. Pourquoi investissement en France, s'il vous plaît. Pardon ? Pourquoi autant d'investissement en France ? En France ? Oui. Parce qu'on aime France, on aime les joueurs français, les meilleurs joueurs au monde. On aime la clap, c'est facile pour répondre. Merci, dernière question. Bonjour Kylian, Titouan Laurent, Sport Business Club. En quoi l'importance de ton droit à l'image sur les contrats de sponsoring, est-ce que ça a eu une importance dans cette prolongation de contrat? Et plus globalement, ta position, ton regard sur le sponsoring sportif et l'utilisation de ton image pour les marques? Et deuxième question sera pour Nasser. Qu'en est-il de Jorge Campos aujourd'hui? Luis Campos, pardon. Jorge Campos. C'est un acteur, Jorge Campos, peut-être. Hein? Non. Non, moi, ce qui est drôle, je ne sais pas si c'est drôle pour vous aussi, c'est qu'avant ce rassemblement de mars, je crois que personne n'a fait ne serait-ce qu'un article, même pas une brève, sur les droits à l'image. Il a fallu qu'il se passe ce truc pour qu'il y ait pas mal de trucs. Oui, il veut pas faire ça, il veut pas faire ci, il a dit ça, il veut pas ça. Les droits à l'image, ça bloque en avril. Alors que, pour être honnête, on a parlé des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Ça a duré 5 minutes. C'était très rapide, il n'y a eu aucun problème. Il y a juste ce petit quiproquo en sélection, mais qu'on va régler très très vite parce que voilà, il y a une compétition qui arrive et... On ne va pas se créer des problèmes pour rien, on a un pays à faire gagner. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je demande pas grand-chose. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de gérer ma carrière comme je l'entends. Comme ça me correspond avec les valeurs que je veux prôner. Je veux pas révolutionner le football. J'y arriverai pas et c'est pas mon objectif, c'est pas mon combat. Je pense que j'ai déjà pas mal de soucis à me faire en gérant ma carrière. Je veux pas non plus toujours chercher les problèmes. Mais je pense que c'est quelque chose de simple. Mais comme j'ai dit, avant ce mois de mars, il n'y avait pas un article. Et après, tout le monde savait. Oui, il ne veut pas faire ci, il ne veut pas faire ça. Il a un problème avec lui. Il veut plus de primes que les autres joueurs de l'équipe de France. Le président a parlé aussi, non? J'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Mais il n'y a pas de problème. On va régler ce problème rapidement et avec intelligence et respect. Je veux dire une chose, moi, sur ce sujet aussi, c'est très important. Kylian était avec nous 5 ans, jouait avec nous. Toujours respecte tous les partenariats, sponsors, les images, même désolé à sa famille. Hier, on a parlé d'une chose, on a signé un contrat, mais Kylian veut aller à un pays, on a un store de Paris Saint-Germain. Sa famille lui propose, la TEPAS de son contrat, lui propose pourquoi elle ne fait pas quelque chose pour sa club. La TEPAS de son contrat, ce n'est pas pour l'argent, pour rien. Désolé, je veux dire ça parce que j'ai été très honnête. Il a fait plus que d'un contrat ou quelque chose. Si vous respectez les joueurs, vous respectez les humains, je pense, si la mentalité, je pense, du client, vraiment, respectful. Si quelqu'un vous respecte, lui donne tout. Jamais on a un seul problème. Pendant 5 ans, si vous êtes aux côtés, on a un problème avec client, pour image, responsable, non. Jamais. Je défends ici client parce que vraiment, grand professionnel.
On a fait tout pour le club, plus qu'est-ce qu'il a fait avec toute la charité, tout ça. Vous connaissez aussi ça. Ce n'est pas dans le contrat, mais il a fait avec son cœur la valeur de lui, sa famille. Je pense quelque chose, moi j'ai proche de sa famille parce que je connais, désolé, je sais, il n'aime pas, je parle de ça, mais c'est la vérité. Il a une grande valeur de ça aussi. La question de George Campos, je pense, je ne connais pas c'est qui George Campos, mais je pense que cette post-conférence pour Kylian les mérite. Au moins, je promets, si on signe avec Kylian, on signe avec nouveaux joueurs aussi. Parce que vraiment, les mérite, célébration, les mérite. Il reste sans billet. Qu'est-ce qu'il a fait que mieux qu'on signe avec lui à 5 ans? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est plus fort, plus pour tout le monde. Je pense qu'il mérite vraiment tout le crédit pour ça. Je pense honnêtement, avec sa famille, je sais, jamais on va regretter lui le même. On va vraiment gagner beaucoup de trophées ensemble parce qu'on est le même. Mentalité, le même objectif. Merci. Merci beaucoup. Merci. Conference with President Nasser Al-Khelaifi and Kylian Mbappe after he's extended his contract to stay Rouge et Bleu to 2025. Special moments, no? Exactement. Toujours aussi spécial, David. Je me rappelle quand Kylian est arrivé, il n'avait que 18 ans. J'étais dans cette salle avec les journalistes lors de cette conférence de presse. Kylian était très jeune. On était tous impressionnés par la maturité, l'aisance qu'il avait devant la caméra, au micro, la communication. Kylian parle parfaitement anglais, il parle parfaitement français. Yeah. Il nous désarme totalement de par sa maturité. Et là encore, il nous a prouvé voilà, ses valeurs. Nasser El-Khelaifi a beaucoup parlé des valeurs de Kylian Mbappé. Yeah, that's right. Et à quel point c'était important pour lui de signer non seulement ici au Paris Saint-Germain avec un club, avec une famille, avec un projet sportif, avec un pays. On l'a bien compris. En tout cas, c'était une très belle conférence de presse. Yeah, Nasser Al-Khelaifi speaking about how Kylian's decision highlights that Paris Saint-Germain keeps the best players. Everyone knows the club wants to continue making history and continue to win. Let's take a little look from a clip that I like of Nasser saying he's very happy to keep the best player in the world. Allez, on écoute Nasser. Nous gardons les meilleurs joueurs du monde. Kylian, ça rêve. C'est objectif toujours pour gagner et gagner comme le club a gagné. Un de nos objectifs aussi avec le président de Liga, avec tout le président de tout le club, on vient un des meilleurs championnats au monde entier. Il reste ici parce que Paris le met. La meilleure condition pour réaliser nos objectifs sportifs, comme je dis, gagner et gagner et gagner. Nous sommes de retour ici dans le vestiaire. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je vous précise que la journée est loin d'être finie. D'abord parce qu'avec David, nous sommes là. Nous vous avons fait vivre en direct cette conférence de presse. On vous a dit déjà beaucoup de stats, mais on en a encore sous les crampons. Kylian Mbappé donc, vient de quitter la salle de conférence de presse pour vous expliquer ce qu'il va se passer, le protocole. Il va aller faire la photo officielle en présence du président Nasser El-Khelaifi et de sa famille au bord du terrain, à quelques mètres de nous ici. Et puis, il y a les fans, les supporters du Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé va aller saluer. Et justement, David, nous avons une caméra là-bas. Et enfin, après, eh bien, on pourra basculer sur Twitch où Laure et Arsène nous attendent. Mais d'abord, on peut aller jeter un œil dehors, David. Yeah, okay. First, we have Mbappe going to greet the fans to celebrate that moment of him extending with the club to 2025. Du coup, dehors, les caméras, je ne sais pas si on peut aller jeter un œil dehors. Eh bien, visiblement, non. Back on you. Alors, on me dit que les caméras sont prêtes dehors, voilà. Ah! There we go.
en direct, on s'y rend. Alors là, vous avez la chance, vous aviez la chance d'être sur le tapis rouge des joueurs, donc les supporters du Paris Saint-Germain qui nous attendent dehors parce que Kylian, juste après la photo officielle, va aller les saluer. Et évidemment qu'on va vous faire vivre tout ça en direct. Mais avant, on se replonge donc dans quelques instants, restez bien avec nous, dans les mots de Kylian Mbappé. Et moi, il y a des mots que j'ai eu envie de garder, David. C'est ceux où il a dit, voilà, je reste aussi pour mon club, je reste pour mon pays. Il a beaucoup de choses, beaucoup de projets ici en France et on peut l'écouter ensemble. Yeah, let's watch. Allez. Tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi un contexte privé. Un contexte aussi que j'étais libre et que, en tant que Français, et d'où mon importance que je sais dans le pays. C'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir. Je vais revenir ici après ma carrière. Donc, quitter mon pays comme ça, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur. Mais il y a ce côté aussi sentimental de se dire que c'est mon pays. Et aussi, le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc, ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée. Et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. They were back from Mbappé. His words were, France is my home. I really like that he also said he didn't tell his teammates. He wanted them to be a surprise. So that, for me, that was the best moment of his press conference. But I do enjoy, he said, France is my home. I want to continue winning here. I want to grow old in this country. And he sees Paris Saint-Germain as a perfect place to do that. Exactement. J'ai envie de vieillir ici au Paris Saint-Germain. Des garanties, évidemment, sportives, des garanties collectives. Il a l'ambition de poursuivre ici, il a envie de tout gagner, il en a parlé. Et c'est vrai qu'avec David, on a un peu souri quand on a écouté cette conférence de presse. Un de nos moments favoris, c'était vraiment quand il a expliqué, donc ici même, dans ce vestiaire, vous avez vu tout à l'heure la vidéo quand tout le monde l'applaudissait, eh bien, c'est là que les joueurs ont appris, en tout cas de manière officielle, que Kylian Mbappé prolongeait l'aventure. On en a parlé tout à l'heure, Marco Verratti, Marquinhos s'est exprimé publiquement pour dire qu'ils espéraient qu'il reste, mais ils n'en avaient aucune garantie. Et finalement, ils l'ont appris comme nous, enfin comme nous. Moi, j'étais sur le podium avec Kylian Mbappé, mais c'est à ce moment-là que ça a été officiel. Il n'en a pas dit un mot à ses coéquipiers. Il a dit qu'il voulait garder la surprise, donc pas mal, David. Hein. No, not bad at all. He also just mentioned that the weeks were a bit tough, but he just did what he knows best, and that's focus on his football. He said he's been dealing with pressure since he was 14 years old, so there's nothing new to deal with this pressure. Just focus on the football. He also mentions in his role at Paris Saint-Germain, it's not necessary for him to be the captain of the club. He supports Marquis. He believes that his teammates have his full respect, and they do. And he says, "I'm not going to go above my role as a footballer." Ouais, c'est vrai. Il l'a dit. Ça n'est pas. Je ne suis pas là pour être capitaine. Ce n'est pas un objectif. Nous avons Marquinhos, qui est un très bon capitaine. Je lui dois du respect. Il a d'ailleurs aussi démenti tout le reste hein, à propos, évidemment, de toutes les spéculations qu'il pouvait y avoir. J'ai beaucoup aimé la phrase, eh bien, de Kylian Mbappé, qui a rebondi sur Nasser El Khelaifi, où il a dit "On a parlé pendant des mois de football et de projets sportifs. On a parlé pendant quelques heures de droit à l'image ou d'image et on a parlé pendant quelques minutes d'argent." Yeah, this is a great quote from Mbappe during the press conference. He says, "For months we spoke about the sporting project, the football, that's what's to come. We spoke a few hours about his image rights and even less we spoke about the money." So it's a perfect quote from Mbappé. Exactement. Bon, on m'a dit que a priori la caméra était repartie et que normalement elle est en place dehors, David. Donc on va pouvoir. Ah voilà, le tapis rouge, on le voit. Vous voyez, 10 titres, des millions d'étoiles. On rappelle, hein. Bah oui, quand même. Le Paris Saint-Germain qui a décroché son 10e titre de champion de France, entrant lui aussi dans l'histoire du football français. Et Kylian Mbappé est en train d'arriver sur ce tapis rouge. Donc dès qu'il arrive, on vous laisse totalement profiter du moment, mais les supporters sont bien là, David. Yeah, Mbappé going out to greet the fans that are there. As you can see, this is the red carpet just in front of the stadium with the 10 titles there, advertised there. So there is the red carpet. Mbappé will be coming out there to greet all the fans there just outside the stadium. Exactement, on rappelle que le collectif Ultra Paris notamment a fait un appel pour dire à ses ultras qu'ils pouvaient venir se rendre. Après, c'est un petit peu pluvieux dehors, on est en plein après-midi de semaine, mais on voit quand même que quand il s'agit de Kylian Mbappé, eh bien, il y a toujours les supporters qui sont présents en nombre devant l'antre ici de Boulogne-Billancourt. Et donc le Paris Saint-Germain, le numéro 7 qui ne va pas tarder à arriver, promis, dès qu'il passe la porte, on y retourne immédiatement avec David. En tout cas, on peut parler de l'effervescence qu'il y avait ici au Parc des Princes. Ah, on le voit, parfait, il arrive. On le voit, il arrive. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une vraie effervescence. Ici, samedi soir, lors du match face à Metz, les fans étaient
les supporters étaient, c'était hallucinant. Et justement, les ultras avaient retrouvé de la voix, David. C'était un vrai bonheur. Yeah, okay, great. Let's we're gonna allow them to watch this now as Mbappé comes out. Allez, on vous laisse profiter et on vous retrouve juste après. À l'extérieur, là, ouais, il y a du public à gauche et à droite. Au bout, ce sont les ultras. Sur le tapis, il y a une cabine avec des t-shirts. À droite, sur le tapis, tout au bout. Ici, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. De très belles images, évidemment, de communion qui ne sont pas sans rappeler celles, eh bien, d'il y a 4 ans avant, quand il avait signé ici en 2018. C'était déjà absolument magnifique. Bah, voilà, 2017, 2018. Magnifique, Kylian Mbappé. L'aventure continue désormais 3 années supplémentaires jusqu'en 2025, David. Yeah, that was great news. Good to see nice images. There were the fans there outside the stadium here at the Parc des Princes celebrating that Kylian Mbappé has extended his contract for another 3 years, Rouge et Bleu chasing that top goal scorer at the club. As you guys know, right now, he's second in that goal scoring chart. Mm. He's added assists to his repertoire this season. Let's see what the next 3 seasons have to offer. Exactement, donc on va regarder ce que les prochaines saisons vont nous offrir. Vous le voyez d'abord, eh bien, tous les buts de Kylian Mbappé par compétition, 119 rien qu'en Ligue 1, 27 en Champions League, 22 en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue, 1 en Trophée des Champions. C'est simple, il a battu tous les records de précocité dans chaque compétition. Et il est notamment devenu le joueur le plus jeune de l'histoire du championnat à atteindre la barre des 100 buts au 21e siècle. There you can see his goals by competition, 119 in Liga, 27 in the Champions League, 22 in the Coupe de France.
2 in the Coupe de la Ligue and 1 in the Trophy des Champions. Of course, Trophy des Champions is in Tel Aviv this year, later on in Exactement, Israel. Exactement, c'est bien de le rappeler. Exactement, face à Nantes, le 31 juillet prochain. La date est déjà cochée dans le calendrier après la tournée du Paris Saint-Germain estivale. Eh bien, ça se passera donc du côté de Tel Aviv et d'Israël pour la deuxième année consécutive. Merci David. Yeah. Et donc, on va notamment se replonger un petit peu dans les stats, on vous l'a dit, avant que Kylian Mbappé, eh bien, et qu'on passe la main à Twitch dans quelques minutes, on va regarder un petit peu Kylian Mbappé, notamment le classement des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, pour vous donner un petit ordre d'idée. Quand Kylian Mbappé disait qu'il avait encore quelques objectifs à aller chasser ici, quoi qu'il arrive, il serait parti comme un grand joueur, a-t-il dit, mais il peut partir ou il peut rester comme le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est simple, il n'y a qu'Edinson Cavani qui fait mieux que lui, David, avec seulement 29 buts de plus que Kylian Mbappé. Yeah, Mbappé becoming this passing Ibrahimovic, as you see there on the list, to become the second top goal scorer at the club. Edinson Cavani, still number one the Uruguayan with 200. But if Mbappé keeps up the form that he's had in the past couple seasons, next Cette season saison, could oui. be a record-breaking season. Cette saison, il en a marqué plus de 30, hein, et il ne lui en faut que 29, eh bien, pour réussir à rattraper le Matador, qui est meilleur buteur de l'histoire du club. Tout le monde demandait... Kylian, tu es le deuxième. Est-ce que tu n'as pas envie d'être le premier? Et Kylian, il adore ça, chasser les records. Donc pourquoi pas? Yeah, he loves to break records. As you can see there, I just want to give a special shout out to Neymar. He is now on this graphic. Before the last game against Messi, he wasn't on this graphic. He had 99 goals, but now he is in the 100th club as well. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Neymar Junior qui a passé lui aussi la barre des 100 buts. Et donc, vous le voyez désormais, il fait partie donc, du top historique des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Et puis Kylian, eh bien, il s'est offert un luxe cette saison avec ses 17 passes décisives rien qu'en Ligue 1 et toutes ses passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est qu'il est aussi entré dans le top 5 des meilleurs passeurs de l'histoire du club avec 77 caviar et offrandes à ses divers coéquipiers. Vous le voyez, Di Maria, évidemment, il a tiré le rideau, Di Maria, ici, meilleur passeur de l'histoire du club, mais seulement Susic et Daleb sont devant lui, David. S'il met encore 17 passes décisives comme cette saison, il deviendrait le troisième. Yeah, Mbappé loves to break records. As you can see here, this is the most assist in the club. He broke into this list this season. Now, Di Maria, the club has just said goodbye to Di Maria. He's, of course, the best, the most assist provider at the club thus far. But Mbappé, as you can see there, is moving up the list just behind Mustafa Daleb. Let's see where he can finish at the end of next season. Exactement, on verra ça. David, je pense qu'on a fait le tour. On a tout dit. On s'est régalé. Hier, on a eu une très très belle célébration avec Di Maria, avec le centième but de Neymar. L'émotion, évidemment, avec les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont gagné 5-0 samedi. C'était magnifique. Le feu d'artifice concocté aussi par nos artificiers du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, une très belle conférence de presse. Les supporters, les mots du président, les mots de Kylian. Bref, c'était un régal absolu, David. Je pense qu'on a tout dit. Kylian, l'histoire doit encore s'écrire. Yeah, it was a great day here at Paris Saint-Germain. Of course, it's been a good week after the win against Metz. There was a title celebration. It was saying goodbye to Di Maria again. And today, the words of President Nasser Al-Khelaifi and Mbappé. Exactement. Donc maintenant, si vous avez envie de poursuivre l'aventure, bah, ça ne sera pas avec nous ici dans le vestiaire, mais dans le studio Twitch du PSG Télé. Donc n'hésitez pas à basculer si vous n'y êtes pas. Sur Twitch, il y a Laure Boulot et Arsène qui vous attendent pour débriefer notamment de la soirée de samedi soir face à Metz. Ils répondront à toutes vos questions. David et moi, on va aller se reposer, David. That's it from us. Ah ouais, c'est tout pour nous. Eh bien, très belle semaine à tous et enjoy, notamment avec Kylian Mbappé en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Ciao, ciao. Ciao.